Que la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays du monde. Voilà. J'aimerais savoir le fonctionnement, la bombe, c'est quoi si ça se passe? C'est ma question. Elle est vraiment agile dans l'eau et l'eau qui est plus dense que l'air. Imaginez qu'on utilise en fait, on étudie telle en profondeur pour savoir comment est-ce qu'elle arrive à le faire. C'est grâce à ces nageoires en fait. Sur ces nageoires, c'est ce qu'on appelle parler nageoires, parce qu'il y a des bosses sur ces nageoires. Et eux en fait, ils ont fait des tubercules sur le profil, voilà, profil d'attaque de l'hélice. Et c'est que ça a eu comme effet, ça a rendu le système plus efficace. Je suis arrivée au collège, puis j'ai constaté que je connaissais rien en physique. Voilà, la physique c'est pas le tout. Donc bon, je change de mentalité en me disant que je deviens comptable. Un jour, ma grand-soeur m'a dit que je ne sais pas mettre mon français, que je dois être une actrice. Ce que moi je peux vous dire, c'est d'avoir confiance en vous. Mais avant d'avoir confiance en vous, c'est de savoir qui vous êtes. C'est de fixer vos objectifs, c'est de ne pas laisser quelqu'un vous transmettre sa peur. Soyez honnête envers vous-même. Quand vous avez fait quelque chose qui n'est pas correct, regardez-vous et dites-vous, j'ai mal fait, excusez-vous, avancez. Tout au long de votre discours, vous avez parlé seulement des bienfaits du digital. Je voudrais savoir si le digital a aussi ses limites. À travers ces techniques présentées par l'UNEF, nous retenons que ces techniques pourront nous aider à travers les nouvelles techniques culturelles, à travers l'innovation de l'agriculture intelligente. Et nous avons pour thème l'agriculture zéro déforestation, ou encore innover l'agriculture pour accroître un meilleur rendement pour lutter contre la famine en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. Nous sommes à la dernière journée du Africa Science Week Côte d'Ivoire. L'établissement deuxième nous reçoit sur son campus d'Azaïe. Nous avons eu une journée avec trois ateliers, avec des futurs techniciens agricoles et ingénieurs agronomes. Nous avons parlé du digital dans l'agriculture, parce que l'agriculture de demain sera forcément digitalisée et il est important que ces acteurs-là puissent s'imprégner des technologies qui existent, des technologies qui sont en cours de développement. Nous avons parlé de comment est-ce que l'agriculture connectée, le digital, pouvait changer leur manière de faire, leur manière de prendre des décisions. Parce
que nous devons partir de l'agriculture raisonnée qui pratique maintenant à une agriculture de précision. Nous avons eu de très bons retours, nous avons établi une feuille de route sur laquelle nous devons marcher. Il y a pas mal d'idées de projets qui sont sortis et nous comptons pérenniser l'action.